la seule fois que j'embrasse quelqu'un d'un bar, c'est une fille. Voici un vidéo. On a une vidéo. C'est une vidéo? Ouais, il y a une vidéo. Hey guys, so this video is gonna be in French, but I just want to let you know I can't be humoristic in English because it just doesn't work at all. So I'm just letting you know. So that's it, so the rest of the video will be in French. Ok, donc salut tout le monde, on sait toujours pas quoi dire, donc je dis encore salut tout le monde. Salut les pétasses. Salut les pétasses, ouais, vu que t'es là, on peut dire. Ouais, on peut dire. Salut les pétasses. Ok, on est en même temps, ok, t'es prête? Ok, 1, 2, 3, go. Salut, salut les pétasses. Ok. Salut les pétasses. Ça a-tu marché? Oui. Okay. On est rendu deux vrais youtubeurs, wow. On va steal les jobs des autres. Ouais. We're coming for you, Jeffree Star. Luna aussi, elle a ça. Ok, dans le fond, cette vidéo-là, on a dit à nos abonnés sur Instagram de nous demander les questions les plus malaisantes. Donc, notre but, c'est vraiment de répondre à des questions malaisantes. Donc, ce sera une vidéo malaisante parce que on est vraiment deux personnes malaisantes dans la vie de tous les jours. Fait qu'on s'est dit, ben, on va faire des trucs malaisants sur YouTube, comme ma dernière vidéo de Pipi Caca qui était malaisante aussi. Fait que c'est pas mal ça. What's going on? Yellow. Oh my god! Dieu. La raison pourquoi il y a un background derrière nous, c'est parce qu'on venait de faire une vidéo de make-up sur son Instagram. Pour une collaboration, fait que... C'est ça, c'est sa première collaboration ever, trop fière. Wow! Je suis comme une proud mom, là. C'est elle qui me teach tout ça, fait que... Ouais. Ok, ta pire histoire sexuelle, vas-y. Il y en a plein en plus, j'y connais toutes par cœur, mais je vais y laisser le plaisir d'en raconter. Nice, la caméra. Ouais, mon histoire. Ok, ma first expérience sexuelle la plus malaisante et la dernière que je vais raconter de toute ma vie. Je suis allée coucher chez un gars parce que j'étais en manque sexuel. Every day. Je suis comme la nouvelle, je suis comme la licence d'ado du Québec, mais version homme, tu sais, genre. Lui, c'est tellement pas de même en plus, là. Elle parle beaucoup de sexe, mais. Ben, j'en parle beaucoup, mais moi aussi, je parle d'arriver au sexe, genre j'en parle, mais ça change. Sauf que là, c'est vrai, ok? Puis je l'ai fait que je suis allé voir, je suis un gars, pis ben là, on se colle dans le lit, pis tout, on écoute de quoi? Quand ça me pognait les têtes, genre, pis tout. Fait que là, il me colle pis tout, pis ben là, il me commence à. Pis là j'étais comme ok go for it là. Pis on était en noir, je vois rien. Pis j'arrive pour rentrer pis au moins ça sent vraiment l'odeur de pète. Pis je pensais qu'il m'avait chié dessus pis story time, il m'a chié dessus. Fait que tout le reste de la soirée, il s'est endormi tout nu, de même mort. Moi j'ai attendu debout dans sa chambre jusqu'à 7h du matin pour quelqu'un vienne me chercher à l'arrêt de bus. Ok, ma pire histoire sexuelle, ça a été, moi comme vous savez, toutes mes histoires sont un peu pipi caca. Puis ça revient un peu au pipi caca, mais moi c'est plus pipi. Puis c'était pas malaisant pour l'autre, c'était plus malaisant pour moi. T'as poussé sur lui? Ouais. Une de mes premières fois, vous savez qu'on fait genre doggy style, il y a comme, on fait des pets de nun parce que genre, c'est quelque chose qui arrive quand t'es en doggy style. Tu savais pas ça? Non. Ah, mais non, tu sais, t'es trop gay pour savoir ça. Merci. Puis moi, on m'avait jamais mis au courant, puis je savais pas que ça existait. Donc là, on fait le guitar, puis là, il commence à avoir des pets de nun. Puis là, je suis comme, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais genre, c'est quoi ça? Puis tu sais, j'étais quand même jeune, j'avais genre 16 ans, puis j'étais genre, oh mon dieu, genre, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Puis là, je suis crampée, puis j'arrête pas de rire, puis plus tu ris, plus ça m'en fait. Il y a plus de pets qui sortent à chaque fois que je ris. Puis oui, puis là, finalement, mais j'ai fait pipi dans le lit. Genre, il y avait une flaque de pipi, là, c'était horrible. As-tu déjà goûté à tes sécrétions génitales? Oui, plusieurs fois. Moi, on dirait que quand je me crosse, le seul moyen de me nettoyer, c'est genre avaler mon sperme. No joke. Mais sécrétions génitales, quand t'es une fille, c'est genre quand t'es wet. Ou genre le jus, c'est quand t'es. Après, là, quand tu chortes. Tu te prêtes aussi, là, tu vois ça. Quand t'es wet. Ton chute-là, toi. En tout cas, si c'est ça, oui, presque à tous les fois. Same. Si ça n'est pas avec tes. Est-ce que t'as déjà essayé de quoi avec une fille? Sinon, voudrais-tu? Si oui, raconte-nous comment c'était. Keep me anonymous. La seule fois que j'ai embrassé quelqu'un dans un bar, ouais, j'ai jamais embrassé comme quelqu'un dans un bar, genre juste comme embrasser de quoi. Je sais, j'ai jamais embrassé un gars, genre sans le fréquenter officiellement et tout. Mais la seule fois que j'ai embrassé quelqu'un dans un bar, c'est une fille. C'est Lisande. Voici un vidéo. On a une vidéo. C'est une vidéo? Ouais, il y a une vidéo. On peut voir en vidéo que je suis très très malaisée parce que j'ai jamais fait ça, puis c'est ma première fois que je fais quelque chose avec une fille, mais à part de ça, j'ai rien fait. Waouh, hey, moi je suis choquée. Attends, là je savais pas. Ouais, mais moi aussi j'étais choquée à ce moment-là. J'étais vraiment choquée. Ça a été longtemps? Non, c'était au Pérou. J'étais vraiment choquée moi aussi. Ah, ça, elle m'apprend plein de choses pas catholiques, c'est correct.
Ah, mais vous, j'ai raconté une histoire vraiment drôle. J'étais chez Elisabeth l'autre jour, pis elle me dit, j'étais en plein milieu de la cuisine. Pis là, moi, j'ai raconté que je m'étais crossé dans la douche. Pis là, non, je m'étais crossé chez elle. Je suis comme, non, pas dans le lit dans la douche, là. Genre, j'ai dit, c'est pour ça qu'elle a pris du temps. Pis là, elle me dit, ah, ben, c'est que moi, mais moi, je voulais pas lui dire, genre, je veux me coucher, blanc. Parce que, tu sais, on était comme nouvellement amis, pis tout ça. Fait que lui, il me dit ça, moi, ça m'ouvre la porte. Ouais. Si je peux tout dire. On dormait dans le même lit, pis genre, ça serait pas que moi, on s'entend, là. Fait que là, elle me dit, bon, ben, c'est que je suis dans le succès avec les chiens. Fait que je suis voir à la porte, mais fais attention, on vient pas, genre, cogne avant, parce que, genre, je suis en train de me toucher, genre. Et je voulais bien que je te le dise, de pas venir dans la chambre. Fait que, ouais, elle s'est touchée le moineau pendant que moi, je suis en train de faire du montage en haut. So, mini story. J'aime ça. J'ai une question spéciale de Camp Amour, hashtag Break the Filter Bitches. C'est votre catégorie de porn préférée, Love You Ma Pouliche. Catégorie de porn préférée? Moi, c'est les straight to gay, genre, tu sais, là, les gays qui convertissent les hétéros en gay, là. Ah, ben là, si tu le dis pas à ma mère, je peux te sucer, là. Moi, j'aime quand tu vois vraiment. Quand c'est vraiment. Soit un vraiment bad acting, que comme. Tu peux t'imaginer que c'est la porn star qui est là. Pégase! Ouais, Pégase Production. Non, je peux pas, c'est trop québécois. Ouais. Ou sinon, quand que c'est genre des cams, genre tu sais, du monde qui se filme amateur, genre chez eux ou des trucs de même. Mais j'aime vraiment comme m'imaginer dans le rôle d'une porn star. Genre, je serais jamais une porn star, mais comme. On dirait que j'aime ça le fait de savoir qu'elle fait ça. Non, on ferait liquide ta sextape, babe! Oui, c'est celle qu'on a faite ensemble! Non, ça il fallait pas le dire, là. C'est comme un peu privé pour YouTube. Là. Us being born diva for 10 seconds straight. Ok, guys, vous avez vraiment juste des questions sexuelles, je tiens à le dire. Vous avez l'esprit crush, mon ami, malaisant, ça veut pas dire sexuel. Mais bon, ça devient un Q&A sexuel, quasiment. Ok, combien de one night t'as déjà eu? Ça se compte plus. Garde, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. Garde, vous avez compris là, on compte plus ça, hein? Toi? J'ai jamais eu de one night. Hein? Ben Chris, un one night c'est pas une relation. Ben Chris, dans une relation sexuelle, je veux dire. Non mais je sais, mais okay. mon rêve, c'est pas mon rêve là, mais comme j'aimerais vraiment essayer à un moment donné d'avoir un one night, parce que tout le monde m'a dit c'est pas nice, mais ça vaut la peine d'essayer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu un one night, faites hashtag one night si vous en avez déjà eu un, parce que je pouvais les aller. Le monde il peut pas dire. Oui. Ok, je vais écrire un commentaire en bas ici, puis je vais dire ah, si vous avez déjà eu un one night, likez. Puis si vous en avez déjà eu un, likez, puis anyway c'est anonyme, fait que... Ouais, parce que genre, je veux pas être le seul là-dedans, là, genre, c'est juste un, la petite 5-4. Non, je sais, moi je suis... Ben non, mais c'est parce que j'ai eu un... Mon ex, j'étais avec 4 ans, genre, puis tout, fait que c'est comme... Quoi qu'il s'est dit? Tu as jamais... Quoi? Moi, je déploie ma sexualité sur les médias sociaux, mais dans la vraie vie, je suis une sainte. Très vrai. C'est quoi ta position préférée? Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est quand, exemple, ben, il y a une personne qui est debout, puis l'autre, elle te soulève dans les airs, genre, par les cuisses, puis elle te plaque contre le mur, là. C'est genre le. Ah, oh, ouais. Je suis vraiment incul, puis je veux pas être insultante. Je savais pas que les gays faisaient ça. Ben, Chris, hein, un cul, puis un vagin, c'est. Mais c'est juste pour que tu te pousses plus loin, genre, faut juste que tu sortes. Mais ça doit être dur. C'est parce que ça veut dire que le gay est fort, c'est pour ça que t'aimes ça. Qu'est-ce qu'il dit que c'est moi qui se fait? C'est parce que je parlais de moi, là. C'est lui le plus fort. T'as pas besoin d'entraînement pour ça, là. C'est comme. Tu soulèves un sac de patates, pis tu fais. Moi, je pense que je vais avoir la même réponse que toutes les filles, en tout cas, à chaque fois qu'on pose. Deggy style. Ben, c'est pas Deggy style, mais c'est genre quand t'es couché, pis le gars, c'est pas en arrière. Faut pas le regarder parce qu'il est là. Ouais. Hashtag tous tes ex. Moi? Mais non, c'est déjà. T'es bien méchant. Ok, si t'étais obligé de faire un trip à trois, tu le ferais deux filles, un gars ou deux gars, une fille? C'est déjà évident. Toi, ce serait deux gars, une fille. Moi, ce serait le contraire. Ce serait deux filles, un gars. Mais je sais pas, je serais game. Toi? Je suis pas assez sexuelle. JMC. Ouais, moi avec les hommes, JMC. Si vous avez le goût qu'on fasse un trip à trois, moi les hommes, JMC. Non, c'est pas vrai. Next! Next! Je sais pas les hommes qui vont genre commenter. Ah, moi je suis down. Ouais, 100%. Lisande, si tu vois ceci, écris je suis down. Si t'es down, mais on sait que t'es down. Quand okay. Est-ce qu'on est pas drôle?
Ok, fait que pour finir cette vidéo-là, ben merci de nous avoir écoutés. Oubliez pas de mettre un thumbs up parce que ça nous aide vraiment beaucoup à grow la chaîne. Puis qui grow la chaîne dit, lui, il va être capable de payer sa visa. Donc si vous voulez, already en paid. Ce moment, il doit l'argent sa visa. Non, non, il a déjà payé. Ah ouais? Payé, ben oui. Je vais mettre des langages. Non, je vais mettre des textos là, ici là, pour que le monde comprenne parce que là. Ok, fait que si jamais vous voulez qu'il y ait plus d'argent sur sa visa. Ouais, il a déjà payé, ma ça. Vous pouvez give a thumbs up, écrivez un commentaire, whatever what, une autre question. On peut prendre une autre vidéo même. Puis c'était bien fun d'avoir des questions seulement sexuelles quand on a demandé des questions malaisantes. On voit que la sexualité c'est un gros malaise dans notre société. Mais pourtant, hein, ça dit que montrer notre corps sur internet c'est pas bien, mais checkez vos questions, hein? Sentez-vous très bien après ça. Oups, excuse-moi, Racy. Luna. Fait que c'est ça, on vous aime. Puis by the way, on va faire une chanson bientôt. Ouais, on va faire. En plus, c'est vrai, on a fait ça dans la dernière vidéo, là. On a dit hashtag, faites une chanson. Je sais, on va faire une chanson. Puis ben là, on n'a pas le choix. Fait que s'il y a quelqu'un qui est capable d'enregistrer les chansons, un producteur de musée, faire un vidéoclip pis tout. Écrivez-nous en email ou quelque chose de même, là, quelque part. J'ai aucune direction. C'est tout, les pétasses pour cette vidéo. On se revoit next sur sa chaîne parce que. Puis lui aussi, il met des vidéos sur sa chaîne de nous. Là, on fait plein de sortes de vidéos. Fait qu'allez, follow sa chaîne. Subscribe. Bye! Whatever.